Bonjour et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro. Je suis Izzy Chamel Lamoury et je vous parle accompagné de Iso Brassel. Bonjour, bonsoir belle personne, c'est moi Iso Brassel. Et de Manu Hennebert. Bonjour, bonsoir, belle personne. C'est moi, Emmanuel Hennebert. J'ai fait aussi bien que Isabelle Brassel. Je vois que l'ambiance est à son comble, à son paroxysme. Non, tu regrettes Ize ou quoi? Non, pas du tout, j'assume. C'est mon métier. Mais est-ce que tu regrettes que Manu l'ait fait aussi? J'embrasse mon échec et celui de Manu en même temps. Je trouve pas que c'était un échec, personnellement. Qu'est-ce que c'est? On n'a rien préparé, hein, pour ceux qui nous écouteraient et qui ne sauraient pas encore ce que c'est. C'est une émission d'impro, où on va faire de l'impro. On va jouer 3 scènes improvisées avec diverses contraintes qu'on se met pour le fun. Voilà, globalement, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est déjà bien. Hein. C'est déjà pas mal. Hein. Merde. Yes. Moi, j'ai pas de questions foireuses de début de... Quoi? T'es viré. Je suis viré. Ok, au revoir. Non, reviens. Reviens. Une question. Je sais pas, moi. Y a pas besoin. Fais ce qui te ressemble, Hicham. Hicham, non. Oh non, Hicham est vraiment parti. Allez, bonjour, je m'appelle Denis, je suis le remplaçant de Hicham. Oh non. Mais donc, voilà, okay, pas de questions, vu que je me suis fait virer. Virer. Je pense qu'on va enchaîner directement avec les impros alors, hein. D'accord. L'ambiance est super. Hein. On va commencer avec une impro qui nous est proposée par Ize. Et oui, je suis la garante de la bonne humeur, de la bonne ambiance et des bonnes impros. Ize Brassel, c'est moi. Alors, je vais vous proposer une improvisation fait divers du web. Tout simplement, j'ai tapé fait divers dans Google, mais là, j'ai assez bossé. Maintenant, c'est Hicham et Manu qui vont me donner un mot qu'ils trouvent rigolo mutuellement. Et je vais chercher le premier fait divers en lien avec ce mot. Et ça va devoir, de près ou de loin, inspirer leur improvisation. Un mot, messieurs. Glaçon. Jeune Jean. Glaçon, enfin, moi, je sais pas. Ah oui. J'avais un truc avec des glaçons devant moi, alors je sais pas, c'est ça qui m'est venu à l'esprit. Glaçons donc ? Bah oui. Oh ! Oula ! Une mort tragique une fois de plus. Eh ben non, bizarrement. Ouf. C'est une question scientifique. Ah ! Parce que... Oh non, alors... ça va Ize, ça... tu ne fais pas de crise d'angoisse pour... Un petit peu. Comment ça hyperventilé, scientifique. Alors, ledauphine.com, le magazine Lifestyle, nous dit pourquoi les glaçons sont plus faciles à faire avec de l'eau chaude. Ce paradoxe étrange connu depuis Aristote est appelé l'effet Mbemba, du nom de Erasto Mbemba, un chercheur tanzanien. Voilà. Ok. tu me voles mon travail, en fait, Ize. Exactement. C'est fou. Ouais, j'aurais pu faire ça pour une interview scientifique, mais non. Mais non. Parce que c'est trop tard. Parce que c'est trop tard. Je vais vous laisser improviser sur ce thème très inspirant. Et c'est parti. Ce cocktail est un désastre. Oui. 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 Je m'apitoie sur mon sort, alors que toi, tu as un pic à glace planté dans le sternum. Mais, Non, mais c'est. C'est vrai qu'il est, il est vraiment pas très bon. Au final. Mais. Je ne comprends pas. Enfin, j'ai tout fait comme il fallait. Enfin. Oui, peut-être que. Tu sais pas, peut-être que la quantité de glaçons ou le. Ou le fait d'aller au pic à glace pour les casser, c'est peut-être pas la meilleure idée. Ouais, bon, ok, ça va, ok, j'ai compris, je me suis excusé pour le pic à glace. L'ambulance arrive, enfin, il faut arrêter un moment. Oui, c'est vrai. Non, t'as raison, j'exagère complètement.
Non, mais c'est pas ça que je veux dire, mais je me sens vraiment très coupable et voilà, enfin. Écoute, c'est pas grave, Rachid. Concentre-toi sur la réception de ce soir. Tu dois faire, tu dois faire ces 50. Ça sert à rien. Si, ça Rachid, sert à rien. Tu vas les éblouir ce soir. Tu vas gagner ce concours et tu vas avoir un super débouché. Dans ce restaurant. C'est avec moi, ne t'endors pas. Ne t'endors surtout pas. J'ai besoin de toi. Tu sais, Rachid, il y a quelque chose que je t'ai jamais dit. Quoi ? En général, c'est mieux de mettre l'alcool et puis de checker et puis de mettre le glaçon. Ah, t'aurais pas pu me le dire plus tôt ? Tu fais chier. Maintenant, t'es en train de. Tu vas crever déjà là. Et en plus, t'aurais pas pu me le dire avant. Ma vie est un échec complet. Mais tu vas pouvoir justement rebondir, Rachid. Tu vas pouvoir t'en sortir et faire ça au moins. Tu vois, tu ne le feras pas pour moi parce que tu me détestes, donc tu le feras pour toi-même et finalement. Je déteste pas, ok. C'est l'inverse, je t'aime. Quoi ? Tu m'aimes, mais j'ai tout fait pour saboter ton travail et tu m'as planté un pic à glace dans le sternum, je te rappelle. C'était un accident, ok ? C'était un accident ! Arrête avec la culpabilité ! Oui ! L'ambulance est là ! Vite, il est là ! Il est là ! Aidez-le ! Aidez-le ! Non, Rachid, attends, je serai avec toi pour la finale ! Il faut que tu le fasses pour nous, alors ! Il faut que tu le fasses pour nous deux ! Falpro ! Mais ce télénovela! Oh là là! Oh là là! Le drama! Ce pic à glace dans mon torse que je t'aime et que je te déteste et j'ai saboté ton travail! Voilà. Il y a le shaker du télénovela parfait, c'est fantastique. Et le glaçon! Et le glaçon, surtout! Et le glaçon! Avant le glaçon! Ce glaçon à partir de glavio congelé. Oh, horrible! Oh c'est un alcool au cresson. Ah oui. Allez. Oui. Non mais c'est bien, je me dis si Ize a pu suivre, il y a des chances pour que les auditeurs et auditrices puissent suivre. C'est limite vexant. Mais justement, ça veut dire parce que moi, honnêtement, je serais bien en peine de résumer cette impro. Et donc le fait que tu me suivis, je me dis ok, c'est que de l'extérieur, il y avait quelque chose qui se passait, c'était pas juste obscur et étrange. C'était un cocktail d'émotions. Je sais. Bien, merci Ize de valider nos élucubrations. Voilà, c'est ça. Faut bien que quelqu'un le fasse. Nous allons continuer avec une improvisation que je vais vous proposer. Il s'agit d'une improvisation question. Oh non, ça fait longtemps. Oh non. Ça m'a manqué, personnellement. Personnellement, ça m'a manqué. Je ne sais pas si vous avez manqué aux deux autres, mais moi, ça m'a manqué. Et donc, bah voilà, vous faites des scènes dans un lieu que je vais vous donner et les répliques sont obligatoirement des questions. Si ce n'est pas une question ou si j'estime que ça a pris trop longtemps, j'élimine la personne qui a fauté et elle rentre par moi. Et la personne qui n'est plus dans l'organisation devient le juge, etc. Et on va commencer avec un premier lieu qui est un café. Tu as préparé des ambiances et tout. Bah oui, je sais. Wow. Je ne fais pas ça à moitié. Mademoiselle. Mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que vous venez de me servir là ? Vous ne vouliez pas un cappuccino avec 4 grains de sucre ? C'est vraiment ça que vous avez retenu de ma commande ? Vous aimez pas le sucre ? Est-ce que c'est la question que je vous ai posée ? Ah, c'est le cappuccino, alors ? Est-ce que j'ai mentionné le mot cappuccino quand je vous ai commandé un triple matcha sur lit infusé de grains de café ? Est-ce que vous entendez cappuccino dans cette phrase ? Est-ce que ça veut dire que je suis virée ? Est-ce que vous voyez un monde dans lequel je pourrais vous garder à l'essai après l'erreur, la faute que vous venez de commettre ? Je vous ai pas dit que c'est mon anniversaire ?
Je ne vous ai pas dit que je ne fête pas les anniversaires parce que je suis mormon. Oh, c'est méchant. Ok, Manu et moi, c'est parti. Et donc, c'est ça ton idée de start-up? Alors, t'en veux encore pourquoi? Est-ce que je dois parler d'une partie en particulier? Ah, t'aimes pas. Mais est-ce que tu t'y es mis vraiment sérieusement? T'aimes vraiment pas, alors? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pourquoi est-ce que tu bâcles tout comme ça? Ah, tu trouves que c'est bâclé? Mais t'as pas l'impression qu'il manque, je sais pas, une trésorerie étanche, un concept solide, une user base qui ressemble à quelque chose? Mais t'as pas vu que j'ai noté quelques phrases à ce sujet-là, ici et là? Mais depuis quand ça suffit, ça? Ça suffit pas, alors? T'as juste noté ton brainstorm, en fait, c'est ça? Tu trouves que... Trop de temps. Mais mon personnage, merde. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mon personnage. Échappez-moi. Tu vas rien dire, alors? Tu veux dire à propos du fait que que tu ne t'es pas lavé les mains en revenant des toilettes? C'est comme ça que tu imaginais notre premier date? Des critiques? Tu prends ça à la casual? Tu ne penses pas que c'est important, un premier rendez-vous, sur l'impression que tu donnes? C'est ça l'impression que je te donne. Mais pourquoi, quand c'est un rancard, tu te comportes moins bien que quand on est juste pote? Attends, je comprends pas. Pourquoi tu m'as invité à la base, alors? Peut-être parce que je te trouve jolie, je sais pas. Tu me trouves jolie? Mais est-ce que tu le fais exprès? Bah, peut-être que c'est moi qui ai glissé ce mot dans ton casier le jour de la Saint-Valentin. Est-ce que tu t'étais lavé les mains avant de mettre ce mot dans mon casier? Oh, tu vas recommencer! Recommencer quoi? C'est de l'hygiène de base, on est d'accord? Mais on n'est pas là pour parler d'hygiène de base, quand même! Ah bah, parce que si c'est comme ça que tu traites ta main, comment est-ce que tu traites le reste? Hein? Excuse-moi. Bah, mais écoute-moi, voilà, je me lave les mains si je veux! Mais bon, il y avait eu des sérieux avertissements pour Isham avant, hein, donc... Ah. Ok, on va changer de lieu... Bah écoutez, je laisse ma place, et c'est donc Manu et Ise qui continuent. Ça va? Et c'est dans un musée. C'est parti. Tu penses qu'ils avaient des plumes? Ça ressemble pas plutôt à des poils? Ah ouais? Et vas-y comme ça? Le prof, il a pas dit qu'à la base, ils étaient poilus et roux? T'imagines un T-Rex poilu? Et tu crois qu'il marchait sur deux pattes et qu'il faisait roux? T'imagines un peu les scènes de chasse avec les gros dinosaures pleins de plumes qui essayent de s'enfuir? Mais comment est-ce qu'ils peuvent s'enfuir s'ils ont deux pattes? C'est moins rapide que quatre pattes, quand même. Tu crois pas que du coup, ils pouvaient se mettre à rouler très vite? Oh, comme les roues! Bah, comme les roues! Ouais. Mon interrogation! Ouais, mon cul, c'est un point d'interrogation aussi. Les yeux, il y a un point d'interrogation à la fin de ma réplique. Allez-y. T'es sûr qu'on suit le bon trajet, là? Tu vas encore tout remettre en question. Mais c'est pas ça, mais pourquoi que cet ascenseur nous amène au début du chemin B? Tu veux t'en occuper, toi? Ah, tu l'as pris comme une critique? Tu l'as mal pris?
T'es vexé ? Tu veux vraiment que... Tu veux que je te donne la carte et que ce soit toi qui donne l'itinéraire qu'on va suivre ? T'avais pas compris que je voulais dire que c'était le musée qui était mal foutu ? Tu penses vraiment que c'est la première fois que tu me fais ce genre de critique ? Et tu ne penses pas qu'à un moment, ça puisse provoquer des réactions un peu fortes chez ton interlocuteur ? C'est vraiment comme ça que tu me vois ? Non mais je vous écoute, monsieur Van Port. Par où qui ? Bob Manu. Ah, je fais une phrase super longue qui n'a absolument pas de question, mais j'en fais une petite deuxième à la fin. Allez ou quoi ? Ah bon ? Ça va aller ? Moi, c'est passé crème, je l'avais pas remarqué. Ah ah ! T'es sûr qu'il n'y a personne dans la salle ? Il faudrait peut-être verrouiller les portes. Ah ! Tu as la clé ? Je devrais l'avoir. Mais enfin, Lucien, comment tu veux qu'on cambriole si t'as pas la clé ? Est-ce que tu m'avais prévenu au briefing ? Non. Comment tu veux qu'on prenne l'os du Michelovorus maintenant ? On le dévisse ? Mais depuis quand tu crois que ça se dévisse ? À ton avis, comment est-ce qu'il les monte ? Mais c'est pas la question. C'est pas la question, Lucien. On va quitter le musée. On va finir ça devant une boîte de nuit. Bon, tu me laisses rentrer. Tu me montres pas ta carte d'identité ? Je crois vraiment que j'ai besoin de te montrer ma carte d'identité. Tu te crois au-dessus des lois, c'est ça ? Tu sais pas qui je suis ? T'es la fille du patron, c'est ça ? Et la fille du patron, tu vas lui demander sa carte d'identité. Et est-ce que la fille du patron, elle est majeure ? Et est-ce que c'est le moindre de tes problèmes ? À ton avis, ton père m'a pas prévenu que t'essaierais de rentrer en chemette ? Non mais le mec, quoi ! Mais non, mec, non. Oh. Allez, Hicham et moi. Mais où est-ce que t'as été traîné ? Ça fait 3 heures que je t'attends. Pourquoi il est pas venu ? Oh, t'es encore en train de parler d'Alexandre, là ? Pourquoi il a pas compris les signes ? Alexandre. T'as pas remarqué qu'il était gay ? Il est gay ? Bah ouais ! Ah ! Tu crois que c'est pour ça qu'il voulait... Il pouvait pas résister à mon charme irrésistible ? C'est quoi ton délire avec les gens que tu n'auras jamais ? Mais... Quoi ? Toi, t'es accessible, toi ? Pourquoi on parle de moi tout d'un coup, là ? On parlait pas de toi ? On n'était pas sur Alexandre il y a quelques instants ? On n'était pas sur un sous-entendu bizarre où tu me parlais pas de toi, mais en fait tu me parlais de toi, et en fait t'es grave amoureux de moi et t'es méga jaloux d'Alexandre. T'as pas compris que je suis gay aussi ? Quoi ? Tu veux pas juste rentrer, hein ? On rentre, on prend un mojito, ça serait pas mieux ? Est-ce que t'es gay avec Alexandre ? En quoi ça te concerne ? Réponds ! Ok, je laisse ma place, allez-y, vous... Ok. C'est quoi cette tenue ? T'aimes pas ? Mais qu'est-ce qui te fait dire que j'aime pas ? Donc, t'aimes bien ? Est-ce que j'aime bien cette tenue ? Qui c'est qui a été faire du shopping chez Chanel ? Qui c'est qui a allé se faire relooker brébrébré ? C'est qui va pécho ce soir ? Ouais. Ça va être qui, le roi et la reine de la nuit ? Ah non mais, tu crois que t'es concerné ? Quoi, tu me laisses pas une place sur ton trône ? Tu crois pas qu'il y a qu'une seule place sur ce trône ? Et tu t'es pas encore mise à courir ? Je dois courir ? Tu tiens à la vie ?
Malabro, ok, ok. Ça a dérapé si vite. Attention à ta ouais, vie. Ouais, ça a viré chelou, mais... En un seul coup. pour revenir sur le lieu dans le musée, effectivement, le Tyrannosaure Rex était couvert de duvet, en fait. Oui, un doux duvet. Tout à fait. Eh oui, un doux duvet. Ben un oui, doux ben, duvet. Les poules sont les héritières des dinosaures. Il n'y a qu'à regarder oui. dans les yeux deux secondes pour le savoir, ça, quand même. Hein. Ah oui, car ils ont le même regard que les dinosaures, dont nous connaissons le regard extrêmement bien. Mais moi, je regarde une poule, je suis dans Jurassic Park, c'est tout. Quand il mange du poulet, il a l'impression de faire un voyage dans le temps, quoi. Justement, je ne mange pas de poulet parce que je suis végétarien, mais... Lol, c'était une blague, je sais. Ah, pardon. La Cocotaurus rex. Poulosaurus. Pouloposaurus. Un dinosaure liquide. Oh, oh non. Ça n'a aucun sens comme concept. Le Nuggetosaurus. Le Nuggetosaurus. Il n'a pas des plumes, il a de la panure partout sur le corps. L'Andalousaurus. L'Andalousaurus. C'est un dinosaure qui se répand sur d'autres dinosaures. Un dinosaure salade tout. C'est dégueulasse. Ok. Nous allons finir cet épisode avec la troisième improvisation qui nous est proposée par Manu. Oui. Manusaurus Rex. Nous allons rester dans des histoires très construites et très fouillées parce que je vous ai concocté une marabout. Ah. Oui. Alors marabout, c'est une impro qu'on a déjà faite hein, et qui nous ramène à nos jeux d'enfants. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course. Moi, je joue pas à ça. Attends, d'où t'as concocté ça? Tu l'as juste dit, je vais le faire et c'est nous qui devons faire tout le boulot. En fait. C'est ça. On est d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Voilà, la fin de la réplique de l'un ou l'une sera le but de la réplique de l'autre. Et moi, je vais prendre un petit soda ou un petit café et vous regarder depuis le bord de la piscine. En train de nous noyer. Et ça va être rigolo. Et en ricanant de manière machiavélique. Exactement. Clairement. Bien, dans ma grande... mansuétude. Ma grande mansuétude, exactement, je vous donne un mot. Ce mot sera « otage ». Otage, ok. Otage, attention, c'est parti! Comment osez-vous? Vous voyez ce flingue, c'est grâce à ça que j'ose. Osez si vous le pouvez, mais sachez qu'il y aura des conséquences. On ne kidnappe pas Madame Dufoin comme ça. Ça reste à voir. Pour l'instant, la police n'a pas l'air d'être au courant. J'ai tous vos bijoux dans ce sac. Je ne vois pas en quoi j'ai la moindre conséquence. Sans, c'est bien là qu'il en manque. Pourquoi faire une chose pareille? Vous finirez décapité d'une manière ou d'une autre. De quoi avez-vous besoin? Ouais. Il n'y aura pas de vengeance, Madame Dufoin. C'est moi la vengeance, ok? Si j'ai besoin, c'est d'argent, d'une escapade discrète. Et grâce à vous, c'est ce qui va se passer. C'est vous? Enlevez votre cagoule, jeune homme. Je vous reconnais. N'essayez pas de la retirer. Arrêtez. Ça suffit. Pique, je vois là. Vous êtes Fernand le jardinier. J'ai une très bonne raison d'avoir fait ce que j'ai fait. Je suis désolé, madame, mais ma femme est addicte aux drogues et a contracté d'énormes dettes. Il me fallait de l'argent pour la sortir de cette histoire. Toi, vil manant. Toi, vil manant, je vais prendre mon épingle à cheveux et je me battrai jusqu'à la mort. Je ne céderai pas mon trésor. Oh, arrêtez tout de suite. J'ai vraiment pas envie d'utiliser cette arme, d'accord? Alors vous allez rester bien calme, parce que là, je suis au bord de la crise de nerfs. Alors maintenant, ça suffit, Madame Dufoin. Vous restez bien calme dans votre coin.
Coin, coin. Coin, coin, le petit canard perdu a peur d'affronter la dame à l'épingle à cheval. Vous n'avez que ce que vous méritez. Fin de l'impro. Ça va, Ise? J'ai chaud, j'ai froid, je tremble, mais je suis paralysée en même temps. Oh, c'est l'adrénaline. Le coronavirus. C'est l'adrénaline de tant de talents. Mais en même temps, j'avoue que Hicham tendait quand même des sacrés pièges, parce que voir ou coin... Mais je faisais pas, je réfléchissais pas. Ça me prêtait trop d'intention. Hein. C'était naturel. Quoi, quoi, le petit canard. Quoi, quoi, le petit canard. En même temps, j'aurais probablement fait pareil. Donc je ne sais pas. Le moment où tu fais coin et tu peux pas t'empêcher de penser quoi, quoi. J'étais, qu'est-ce que... Il y a coïncidence, mais non. Non, non, moment, non. J'ai fait non. Quoi, quoi, la seule solution possible. Quoi, quoi, le petit canard. Mon dieu, t'avais même pas assez de rattraper derrière le coin, quoi, le petit canard, quoi, je sais pas, c'était trop bizarre. C'était trop bien. C'était genre la meuf désespérée qui fait quoi, quoi, le petit canard, allez. Oh mon dieu, après les poules, les canards. Yeah. Voilà. Et après les impros, les coups de cœur. Oh, oh. Hey. Nous allons finir l'émission avec les coups de cœur du jour. Et donc, nous allons voir le coup de cœur de Ise. Tout d'abord. Oh, vous devinez quoi? Mon coup de cœur rime avec canard. Non, c'est vrai. Non, c'est pas possible. C'est pour un groupe musical que j'aime de tout mon cœur qui s'appelle London Grammar. Mais du coup, ça rime avec canard. Excellent. Mais ça n'a rien à voir. Mais ça canard. N'a rien à voir. Ta rime avec canard, c'est le London Grammar. Voilà. En tout cas, c'est un groupe qui chante des chansons, mais alors je ne saurais même pas définir le style. Certains diraient de l'indie, certains diraient de l'électro, ça dépend des albums j'imagine. En tout cas, c'est un petit peu à la fois dépressif et planant, tout en étant poétique. Je vous le conseille. Voilà. Et oui, juste, ils sortent leur prochain album en avril. Et là, ils ont déjà sorti trois morceaux. Lose Your Head, Californian Soil et aussi Baby It's You. Et on commence tout doucement à sentir ce prochain album se dessiner. Je vous le conseille vivement au coin du feu ou au coin de votre fenêtre face à l'hiver et à la pandémie mondiale. Youpi. Ça mérite d'être clair. Vous êtes au fond du trou, rimez avec les canards et coupez une bonne grammaire. S'il n'est pas trop tard. Oh, ça dépend tellement une image, pas du tout. Ah, c'est pas du tout. Écoutez, vous verrez. Ok, bah mon coup de cœur à moi. Merci Ise déjà, tout d'abord. Hein. Mais de rien. Et c'est toutes ces rimes en art. Ah, écoute. Il faut un certain art. C'est ça. Et mon coup de cœur à moi, c'est pour une bande dessinée qui s'appelle Démon, de Jason Shiga, qui est une sorte de dico de 750 pages. C'est vraiment énorme. C'est pas des grandes pages, donc voilà, mais c'est un truc ultra massif. Et dans l'avant-propos de l'auteur, je précise. En travaillant à ce projet, j'ai réalisé un vieux rêve, celui de franchir les limites de la décence et du bon goût à toutes les pages. Oh waouh. Ça c'est le propos. Et je crois que ça commence avec un type qui se suicide. Donc ouais, bonne ambie, mais c'est en fait ça commence ultra malsain, ça continue ultra malsain, mais ça devient complètement pété. Genre, je sais pas, le mec a regardé tous les films d'action. Et des années, entre les années 95 et 2015, et c'est un condensé de tout ce bordel, et c'est ultra pété, c'est complètement débile, c'est complètement absurde, c'est
je sais pas si transgressif est le mot. C'est vraiment un truc. C'est 750 pages, mais c'est difficile de s'arrêter de le lire tellement c'est genre, mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, bien. Je vais pas spoiler, mais ouais, c'est complètement dingue. Je peux vous le prêter parce à vous deux, mais les autres devront le trouver autrement. Ouh, voilà. Merci, Jean. Si vous voulez, hein, bien entendu. Ah ouais, avec plaisir. Voilà, ça s'appelle Démon, Demon. Fort bien. Man. Man. Alors, mon coup de cœur à moi, c'est un coup de cœur. Pour une fois, ça s'apparente un peu à une chaîne YouTube. Ça a été une chaîne YouTube à un moment, mais ça n'en est plus une. C'est un monsieur qui s'appelle Clément Viktorovitch. Alors, Clément Viktorovitch, à la base, c'est vraiment un intello, un politologue, qui d'ailleurs a fait une thèse en sciences politiques à Sciences Po à Paris, consacrée à l'analyse des débats parlementaires. Parallèlement à ça, il a créé une chaîne YouTube qui s'appelle Equivox. Mais c'est pas par là que je l'ai connu. Moi, je l'ai connu grâce à Click, qui est une émission sur Canal+, sur laquelle, en fait, qu'est-ce qu'il fait Clément Viktorovitch ? C'est qu'il fait des interventions qui, à l'inverse de celles-ci, sont très claires et très intelligentes et très précises. Et dans lesquelles, en fait, il revient sur un événement de l'actualité, mais en le prenant pièce par pièce et en l'analysant d'un point de vue de la rhétorique, d'un point de vue des procédés intellectuels mis en branle, d'un point de vue de la manière dont le discours est construit, etc., pour donner en fait des clés de compréhension qui sont hyper claires. Et ce mec est hyper intelligent, ce mec est hyper bienveillant, hyper chouette. J'ai vraiment très envie un jour d'être son ami. Et en fait, il y a la relation parasociale. Vraiment, je pense que c'est le genre de personne avec qui je pourrais avoir des discussions méga longues sur plein de sujets, ce serait toujours hyper passionnant. Et en fait, dans un... C'est ce qu'on appelle une relation parasociale, Manu, ça. Blablabla. Et de fait, dans un monde, je trouve, où de plus en plus, il faut toujours être pour ou contre quelque chose, et il faut toujours prendre des partis pris très forts, et il faut pouvoir se défendre très très fort et tout, bah lui, justement, il invite au dialogue, il invite à la réflexion, il invite à se poser et à analyser les choses et réfléchir un peu au-delà de ce qu'on nous présente comme contenu tout fait et tout ça, mais sans non plus être dans la culpabilisation ou dans le fait de montrer du doigt des choses. Donc voilà, allez l'écouter, parce que vraiment, ce mec, c'est incroyable. C'est vraiment, je trouve, très, très incroyable ce qu'il fait en termes de clarté et de concision. Et donc voilà, Clément Viktorovitch, un mec comme il en faudrait 10 000 en plus à la télé, à la radio et sur les internets. Merci beaucoup à vous. Merci Manu. Eh bien, avant de bel et bien clôturer cette émission, nous allons arriver au moment le plus terrifiant pour moi de l'épisode. C'est-à-dire que Manu va nous parler du Tipeee, ou parler ou autre chose. Je ne sais pas encore comment il va aborder ce sujet, mais voilà. Tipeee topiti. Le petit petit petit. Ok, Manu, quand tu veux. Alors, en hommage au coup de cœur d'Hicham qui m'a paru vraiment très chouette. Arrêtez. Voilà. Alors, attendez, après cette petite intro, je vais pouvoir commencer le Tipeee dans quelques secondes. Voilà. Si vous avez aimé cet épisode, attention à ta gauche, bon. Si vous en voulez plus, eh bien, vous avez plusieurs solutions pour nous soutenir. Vous pouvez aller sur les réseaux sociaux et puis là vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner. Et puis vous pouvez, attention sur ta droite. Vous pouvez venir nous le dire sur les réseaux sociaux parce qu'on trouve toujours ça super cool quand vous venez nous le dire. Oh purée. Elle n'est pas passée loin celle-là. Quand vous nous le dites sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous en avez les moyens, si vous en avez le temps, vous pouvez... Oh mon Dieu, attends, vite, à couvert. Vous pouvez venir sur Tipeee nous donner de l'argent. Et comme ça, on pourra rembourser les dettes qu'on a faites. Et comme ça, le gouvernement américain nous lâchera peut-être un peu les miches. Et puis on pourra défrayer les gens qui interviennent sur l'émission et on pourra peut-être nous défrayer nous-mêmes parce que pour le moment on le fait bénévolement mais on pourra pas le faire toujours parce qu'on a besoin de payer le pain qu'on met dans notre bouche et on a besoin de payer toutes les munitions et les effets spéciaux dont on sert pour nos émissions et tout ça, ça coûte de l'argent. Alors si vous voulez, donnez-nous sur Tipeee
Et merci à ceux qui donnent déjà sur Tipeee, parce que sans eux, on n'en serait pas là. Mais les gars, je crois qu'on a une ouverture. Non, non, oh. Waouh. C'était la quatrième impro du jour. C'était... C'était un traumatisme. Voilà, peut-être ce sera sur la compile. Je vais mettre ça dans le coffre dans ma tête et le fermer à jamais. Oh. Mais enfin, il y a une dynamique à entretenir ici, ok? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Qui est faite de tensions, de plein de choses. Et de canards. Et de temps en temps de canards. Et de terreur. Voilà. Et des terreurs vers la fin de l'émission. Merci Manu. Pour... Avec plaisir. Pour quoi que ce fût, merci pour ça. Eh bien, avant de vous laisser, je vous encourage, vous, les auditeurs, oui, vous, à donc nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Insta, @onarienprep, ou sur Facebook, on n'a rien préparé, pour être au courant des épisodes qui sortent, éventuellement des news, et parfois des lives, quand on fait des lives, parce qu'on fait régulièrement des lives, on essaie d'en faire un par mois, pour être au courant de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine, ouais, en forme et de bonne humeur. Et bonne voilà, Saint-Valentin dimanche. Ah oui, c'est déjà ça. Ouais, c'est déjà ça. Waouh. Waouh. galvaudé des émotions sincères sur l'autel du capitalisme saugrenu. Au revoir. Salut. Bye, vous. Bisous. Au revoir. Oh,